Allez, mesdames et messieurs, rebonjour à tous, comment ça va? Ah, ça va mieux là, vous n'êtes pas trop du matin. Hein. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, on est ravis de vous accueillir si vous êtes aussi en direct, c'est génial. On a vraiment du monde partout, ça fait plaisir, n'hésitez pas à poser vos questions aussi en direct dans le live. Ici, il y aura évidemment des moments qui vous seront... Chut, on va faire comme à l'école. Voilà, 72 heures, bien évidemment, sous le signe des grands océans. On a eu plein de chercheurs, de scientifiques qui, ce matin, ont défilé et ont débattu, et ont parlé, ont partagé avec nous où ils en étaient au niveau de la recherche. On va continuer ce début d'après-midi. Alors, vous savez quoi? Si on est là aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à tous nos partenaires, mais c'est surtout grâce à une idée folle qu'a eue la directrice éditoriale, eh bien, Dominique Leglu, de Science et Avenir la Recherche. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Bonjour Dominique, bienvenue chez vous. Merci. Comment ça va? Bah écoute, je me suis restaurée, ça va beaucoup mieux, oui. Mais j'espère que personne ne va s'endormir. Non, ça c'est la partie théâtre sonore. On rappelle, le théâtre sonore, c'est tout au long de la journée, sur des moments bien précis, là-bas dans le hall, pour aller vivre en immersion, voilà, ce qu'est la vie finalement dans l'océan. Si vous voulez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, c'est hashtag Grand Océan, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Alors Dominique, elle est là parce qu'elle va interviewer et passer du temps avec notre premier intervenant de l'après-midi, pour cause, il est aux États-Unis. Mesdames et messieurs, il va apparaître juste derrière. On va repartir sur une séquence. Je vous raconte une histoire et pour cause, ils sont là pour la partager avec nous. Ça s'appelle Je suis sur la goélette Tara et voici ce qu'on fait. Alors, il y était il n'y a pas longtemps. Maintenant, il est aux États-Unis. C'est Romain Troublé, directeur exécutif de la fondation Tara Océan, qui est une des plus grosses fondations privées. Dominique, je crois qu'on y est là. Ah oui. Ah ben, bon, c'est parti. Bonjour, bonjour Romain. Bonjour Romain. Tu nous entends? Formidable. Ah, tu peux dire trois mots pour qu'on soit sûr qu'on t'entende? Est-ce que m'entends bien? Ah, c'est parfait. Formidable. M'entends bien? Oui, okay. Parfait. Donc, Romain Troublé, qui est directeur exécutif, merci Stella de l'avoir dit, de la fondation Tara Océan. Alors, effectivement, on aurait dû voir Romain sur sa goélette. D'abord, tu vas trouver que ma question est basique, mais une goélette, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Ici, il y a des tellement gros bateaux. C'est quoi une goélette? Alors effectivement, je devais être à bord de Tara et j'ai dû changer de planning et j'ai dû venir aux États-Unis pour des rendez-vous avec un centre de recherche incroyable ici qui s'appelle Woods Hole, Institute of Oceanography, qui est un des centres majeurs de recherche océanographique dans le monde. Alors une goélette, c'est un bateau qui a deux mâts. Il peut avoir un mât plus grand que l'autre, mais il a deux mâts. Et Tara, quand on parle aujourd'hui, Tara est une goélette de 36 mètres en aluminium. Et qui a deux mâts égaux, pour le coup, même taille, et qui navigue autour du monde depuis pas mal d'années maintenant. Et, oh, je vais faire de la préhistoire, sauf si ça t'ennuie, mais elle a une préhistoire avant la fondation Tara Océan, cette goélette. Elle s'est promenée dans des endroits incroyables. Ah oui, cette goélette Tara, elle est devenue Tara il y a presque 20 ans. Et avant ça, elle a appartenu à un grand marin, grand navigateur autour du monde. Grand parce que très très bon, très très fort et aussi très grand en taille, qui s'appelait Sir Peter Blake et qui malheureusement est décédé à bord de ce bateau en 2001 en Amazonie suite à une attaque de pirates. Et avant cela, la goélette a été construite à la demande de Jean-Louis Etienne qui voulait à l'époque aller en Antarctique avec et faire le tour de l'Antarctique notamment. Eh ben, Jean-Louis Etienne, qui était avec nous hier et qui nous a raconté ses futures prochaines missions dans l'océan austral, Polar Pod, il ne peut pas s'en passer. Donc maintenant, en tant que directeur exécutif de la fondation Tara Océan, sauf aujourd'hui, ben, tu navigues beaucoup, j'espère beaucoup, et avec bonheur sur cette goélette, parce que vous n'arrêtez pas, quoi. Depuis combien de temps elle est en train de voguer pour sa dernière mission, enfin celle-ci, celle actuelle? Et comment s'appelle cette mission? Alors, effectivement, Tara navigue depuis 19 ans, et on a parcouru 500 000 km. C'est la distance de la Terre à la Lune, à peu près, pour vous donner une idée. Donc on n'a pas arrêté de naviguer tout le temps. Et elle navigue à peu près 300 jours par an, avec un équipage d'hommes et de femmes à bord du bateau. Et elle a mené comme ça 12 expéditions depuis 2003. Depuis deux ans, en mi-décembre 2020, rappelez-vous, c'était le Covid, on était à moitié confinés, un autre temps.
On est parti en mission à mi-décembre 2020 en Atlantique Sud, au Chili. On a fait le tour de l'Amérique latine. On est allé redescendu en Antarctique, remonté par l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique noire et le Sénégal pour arriver bientôt en Europe. Un périple de 22 mois, 70 000 km, pour s'intéresser au petit peuple invisible de l'océan. Et je sais que Colomban de Vargas en parlera davantage cet après-midi, mais à qui on travaille beaucoup. En tout cas, s'intéresser à ce microbiome de l'océan. Finalement, vous savez, on a un microbiome dans notre intestin, nous, qui nous aide à digérer des bactéries, dans le micro-organisme qui nous aide à digérer ce qu'on avale. Finalement, dans la mer, il y a un peu l'équivalent, il y a un microbiome qui participe aux grands équilibres de la planète, qu'il soit l'équilibre de CO2, d'oxygène, et aussi beaucoup de production de protéines et de matières organiques pour la chaîne alimentaire, pour les poissons et pour tous les bénéfices qu'on en tire après. On va revenir en détail sur ces questions. Justement, tant de kilomètres actuellement au large de l'Espagne, tu as dit, de la côte Cantabrique. La Corogne. Ouais. C'est ça. Au large de la Corogne. La Corogne. Et il faut dire, on le redira à la fin, mais il faut dire que dans pas longtemps, tu seras à Lorient, vous serez à Lorient avec la goélette, et ensuite à Cherbourg du 7 au 14 novembre, exactement. C'est ça? Exactement, avec grand plaisir pour les 20 ans à la Cité de la Mer de notre cher ami Bernard. Alors, je ne sais pas si Bernard nous écoute ou s'il est dans la salle, mais bon, bien entendu, très content de vous accueillir tous à nouveau. Donc, redis-nous, combien il y a de personnes sur cette goélette en ce moment? Sur Tara, il y a toujours 14 personnes. D'accord. 14 et 16, ça dépend si on met des laboratoires à bord. Et il y a à peu près, souvent, des hommes et des femmes à peu près à parité. Et alors, leur background, comme on dit en bon français, leur bagage intellectuel ou leur bagage physique ou leur bagage mécanique, c'est quoi? On a besoin de quoi alors, sur la goélette Tara? On a besoin d'un équipage déjà, de marins et de marines qui mènent le bateau. Donc un capitaine, un second capitaine, un chef mécanicien, un matelot, un officier polyvalent et une cuisinière ou un cuisinier. Et puis après ça, il reste 8 places à bord du bateau, et 8 places pour un artiste embarqué, souvent, à bord du bateau. On embarque des artistes en résidence, avec nous, autour du monde. Et puis, on embarque aussi des journalistes à bord du bateau. Qui racontent cette histoire, parce que l'enjeu de la recherche... Ils sont à peu près supportables, les journalistes ? Oui, très, très. On les teste avant, hein. On fait attention. Et en fait, il faut... C'est important parce qu'il faut partager, en fait, tout ce qu'on fait. On vient de faire de la recherche, mais je crois qu'il faut qu'on vraiment... Aujourd'hui, la recherche sort des laboratoires et vient raconter ce qu'elle fait au grand public, ce qu'on essaie de faire tous les jours. Et puis, bien sûr, il y a 6 scientifiques qui sont embarqués, des ingénieurs, océanographes, des ingénieurs biologistes, des chercheurs en recherche fondamentale, bien sûr, et qui mènent à bord du bateau des recherches tout au long des périples de la goélette. Et tout ça navigue bien et tout ça change assez régulièrement. Hein, chaque escale, tous les 3 semaines, il y a beaucoup de gens qui descendent, qui montent. C'est une véritable logistique. Alors, incroyable. On se représente, enfin, je pense qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà vu des images, notamment à la télévision ou sur Internet. Est-ce que ces scientifiques plongent ou bien est-ce qu'ils envoient à l'intérieur de l'océan des sortes de bouteilles qui remontent l'eau avec les fameux organismes invisibles qu'ils sont censés décrypter? Ah oui, alors ça dépend des missions de Tara. Soit on va sur les rivières s'intéresser au plastique, soit on va sur les récifs coralliens. On l'a fait pendant 3 ans, de 2016 à 2018, où là on a plongé, on a fait 3500 plongées, je crois. Et sinon, depuis 2 ans en tout cas, on envoie depuis le bateau, depuis le pont du bateau, des ingénieurs océanographes, notamment qui viennent d'un TECMER. Un TECMER, c'est une école d'ingénieurs océanographes de Cherbourg. Justement. Il y a des représentants dans la salle. On a à bord quelques ingénieurs d'un TECMER souvent, qui déploient comme ça les appareils qu'on met au bout des câbles et des filets aussi, pour aller collecter cette vie. Finalement, on pêche comme n'importe quel pêcheur, sauf que les mailles de filet, elles ne sont pas grandes comme ça, elles sont toutes petites, microscopiques, de 0,3 mm. Tu parlais des rivières. Il y a des... Bonjour. Quelqu'un qui parle en même temps. Bonjour le fantôme. À la régie.
Tu parlais des rivières. Quand vous avez travaillé sur les rivières en Europe, mais pas seulement, hein, c'est une mission qui a énormément frappé par vos résultats, parce que vous vous êtes rendu compte de la pollution de toutes ces rivières. Ça remonte à combien? C'était il y a 5-6 ans, j'ai un peu oublié. C'était avant le Covid. C'était avant le Covid, donc on a un peu oublié le temps qui passait. Tout s'est comprimé. C'est en 2019, on a passé 8 mois à s'intéresser avec le CNRS, bien sûr, qui est notre partenaire principal en recherche aujourd'hui, et le CEA, à s'intéresser aux pollutions des rivières. Qu'est-ce qui sortait finalement? D'où venait cette pollution plastique qu'on trouve en mer partout dans le monde, qu'on observe? Qu'est-ce qui sort? En quel état ça sort? Et donc on a prélevé comme ça 9 des 10, 12 plus importantes rivières d'Europe pour aller voir ce qui sortait. En amont des villes comme Londres, en amont des villes comme Hambourg, comme Rouen, pour voir un peu ce qui sort. Et effectivement, on s'est rendu compte, et pas vraiment surpris, parce qu'on avait bien anticipé qu'il y avait quand même un problème majeur, que beaucoup de ces plastiques étaient des microplastiques. En fait. Déjà, quand ils quittent notre territoire, quand ils quittent nos bassins versants, nos villes, nos rues, le plastique qui va en mer, il est déjà microplastique. Et donc, c'est pour ça que le constat de cette mission qu'on a fait en 2019, il est assez clair. C'est-à-dire que le problème de le plastique est en mer, mais la solution pour être à l'échelle, elle se trouve à terre. Elle se trouve à terre dans notre économie circulaire, dans l'éducation, bien sûr la politique et les lois qu'on met en place. Et c'est là qu'il faut aujourd'hui battre le fer. Oui, c'est ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui a été déjà dit hier, répété ce matin. C'est à terre qu'il faut travailler pour ne pas polluer la mer. Et c'est la vérité pour tous les sujets de l'océan, en fait. Hein. Les enjeux de CO2, de réchauffement de l'océan, ça vient de ce qu'on fait à terre. Les enjeux de pollution, on va s'attaquer à ça les prochaines années, se passent à terre aussi. Et finalement, les solutions pour l'océan se passent beaucoup, beaucoup à terre et dans l'éducation et dans ce qu'on peut changer le monde. Tu parlais donc, tu évoquais cette mission de 2019. Tu emmènes une actuellement, et effectivement, Colomban de Vargas va nous reparler de ce peuple invisible de l'océan. Est-ce que quand vous êtes encore, comme vous l'êtes, comme l'équipage à bord de la goélette, vous avez déjà des premiers résultats? Ou bien est-ce que ça prend beaucoup de temps pour obtenir des conclusions? Alors ça dépend des missions. Il y a des missions où on a des constats assez rapides, comme par exemple les missions sur le plastique. On voit à l'œil nu les plastiques qu'on collecte, donc on a un peu une idée de ce qu'il y a dans les filets, etc. Quand on s'intéresse au microbiome de l'océan, aux microbes, dont Colomban parlera plus tard, on ne voit pas ce qu'on collecte. Et donc on ne le voit qu'avec des microscopes, on ne le voit qu'avec de la génomique. Vous savez, tout l'ADN et tout ce que vous avez. Tout le monde connaît dans la salle maintenant l'ARN messager. Donc on a tous progressé un peu en biologie et en science depuis quelques années maintenant avec ce Covid. On s'intéresse à ça pour voir qui est dedans, donc ça prend du temps. Les constats, on peut en faire. On peut en faire de ce qu'on a vécu, des endroits qu'on a vus, les diversités différentes qu'on a rencontrées. Mais les constats scientifiques, les résultats, ça prendra 2 ou 3 ans minimum. Mais c'est le temps de la science et c'est le temps de la véritable recherche scientifique à laquelle il faut donner du temps, des moyens et de plus en plus de moyens, j'espère. Et avec tous ces prélèvements, donc ces échantillons d'eau, Vous avez déjà fait des découvertes de multiples nouvelles espèces, des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Bien sûr, entre 2009 et 2013, on est parti avec une équipe de scientifiques, dirigée par Eric Carsanti, médaillon de CNRS. On s'est intéressé avec Colomban de Vargas, avec Chris Boller, avec beaucoup de chercheurs français et internationaux, à ces microbes de la mer. On ne les connaissait pas, on en connaissait peu. Et finalement, on a ramené, je crois que Colomban parlera, mais plus de 100 000 espèces de nouvelles microalgues, qu'on appelle des protistes, plus de 150 millions, 180 millions de nouveaux gènes. Vous êtes fait, vous et moi, de 20 000 gènes. On a trouvé dans la mer 180 millions de gènes un peu comme les nôtres. Et certains, on ne sait pas du coup à quoi ils servent, et qu'est-ce qu'ils codent et quelle est leur fonction. C'est une grande inconnue qu'il faut essayer de mieux comprendre et de mieux anticiper. Et toutes ces recherches, elles sont là, c'est la recherche fondamentale, on est en amont de toute la connaissance. On crée la connaissance, et c'est là-dessus qu'on base ensuite, qu'on doit baser notre politique publique, qu'on doit baser notre adaptation au changement climatique, qu'on doit baser aussi comment protéger mieux l'océan demain, dans le futur. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer de nouvelles gouvernances de l'océan à l'échelle internationale dans les années qui viennent? Oui, je vais reciter les noms que tu as cités, parce que ce sont des très grands chercheurs.
Chris Bowler, Eric Carsanti, et un troisième, voilà, je l'ai oublié, le troisième que tu as dit. De Vargas, in the room. Mais parce qu'il est avec nous, donc il se citera lui-même. J'aimerais savoir, quel est ton meilleur souvenir à bord de la goélette. Moi, j'ai un souvenir incroyable, qui est un message incroyable, c'est qu'on était au large de la Colombie, sur une île qui s'appelle Malpelo, une île de notre chère amie Sandra Bessudo. Et on plongeait, et un jour, en fin de journée, le soleil se couchait, et il y a un requin qui est venu près du bateau Tara, et qui est venu tourner autour, un requin de 3 mètres, un requin soyeux. Et puis il tournait et tournait, donc on a finalement pris le semi-rigide pour aller le voir. Et en fait, ce requin avait un fil coincé dans son aileron, ça avait cisaillé l'aileron. Et ce requin s'est approché de nous, il s'est laissé attraper, il a tout de suite eu peur, il est parti, puis il est revenu près du Zodiac, près du semi-rigide, pour qu'on lui coupe son fil. Et ça, c'est un message incroyable, c'est comme quoi on n'est pas si différent, on n'est pas si éloigné de ce monde-là, en fait. Et quelque part, c'est vraiment un message hyper important. En tout cas, moi, j'ai été très ému, et tout l'équipage à ce moment-là a été très ému de vivre ce moment-là incroyable d'interaction avec ces organismes marins qui sont, on le croit souvent, nos ennemis. Les requins, c'est ce qu'on croit, et c'est une catastrophe. Et qui sont souvent, on croit qu'ils ne nous comprennent pas, qu'on est vraiment dans un monde différent. Pas tant que ça. Quelle va être la fin de la mission ? Il y a aussi des échantillons que tu vas prendre, que vous allez prendre le long des côtes françaises avant d'arriver à l'Orient, puis à Cherbourg ? Alors, la mission s'est intéressée à l'Atlantique Sud. Donc, on a stoppé les mesures juste après au Sénégal, il y a 2-3 semaines. Et on a déjà récolté plus de 50 000 échantillons, je crois. 50 000 tubes qui sont partis dans les laboratoires du CEA, du Génoscope, partout à Roscoff, pour être analysés. Ça va prendre beaucoup de temps et c'est un trésor, en fait. C'est vraiment un véritable trésor à ce qui a été fait. On avait collecté 60 000 échantillons comme ça avec, en 2009-2012 aussi, sur ces mêmes espèces, même écosystème. Et on est encore en train d'aujourd'hui de publier, cette équipe incroyable de scientifiques qui publie encore aujourd'hui dans les meilleures revues de la planète, finalement. C'est vraiment de la découverte. Tu disais que... C'est ça qui est sympa. Comment on la partage, c'est la question. Tu disais que nous le voyons, puisque ceci est calme, il y a un pré derrière. Tu n'es pas à bord, mais tu étais près de Woods Hole. Et Woods Hole est un des grands laboratoires mondiaux. Tu as des collaborations avec l'océanographie américaine ? Oui, écoutez, on collabore un peu avec eux. On commence à collaborer avec eux, notamment sur les enjeux de politique. On essaie de s'aligner avec Woods Hole sur les prises de parole et les prises de position qu'on a à l'échelle internationale, sur les enjeux de gouvernance de la mer et des enjeux climatiques, etc. Donc, c'est important d'avoir ces chercheurs américains dans l'équipe de plaidoyer. Et puis, moi, Woods Hole, c'est un peu un modèle. Hein. C'est comment arriver demain à créer un Woods Hole européen où l'argent public, l'argent privé, on tire le meilleur des deux aspects du financement pour créer de la connaissance, créer de l'éducation, engager des gens, avoir de l'impact, en fait. Et je crois qu'il y en a beaucoup à apprendre de ce modèle américain qui a été développé depuis maintenant une cinquantaine d'années ici, et pour le développer en Europe. Et c'est très complémentaire de ce que fait l'IFREMER, que ce que font les grandes flottes océanographiques des États. C'est archi complémentaire tout ça. Ça vient apporter une pierre en plus. Et je crois que ce qui différencie Tara, et si on devait avoir un choix, une idée, c'est que on part sur des missions qui durent 2 ans, 3 ans, un écosystème, et on va le regarder dans plein d'endroits différents de la planète. C'est une approche assez holistique. On sait pas trop ce qu'on cherche, mais on le cherche partout pareil, pour ensuite essayer de comparer, finalement, tous ces enjeux de plastique, de pollution, de biodiversité, de changement climatique, sur des enjeux globaux. Et on a la conviction que pour y répondre, il faut avoir un point de vue global sur cet écosystème. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Tara, c'est ce qu'essaie de faire d'autres gens avec avec de l'assistance participative, comme Plankton Planet, peut-être que Colombo en parlera jusqu'à après. Si vous avez des questions dans la salle, c'est le moment ou jamais. Nous avons encore 10 minutes d'interaction avec Romain Troublé, directeur exécutif de la Fondation Tara Océan. Levez bien haut la main pour qu'on puisse vous apporter un micro. Madame au deuxième rang.
Bah, merci déjà pour votre témoignage et votre développement de ce projet. Ça serait quoi votre prochain projet de Tara, du coup, après être rentrée en France ? Écoutez, on a toujours plein de projets, c'est ça le problème, ou c'est ça la chance. Je ne sais pas, je crois que la vie est faite de projets, il faut en pousser plein. On a deux projets en cours, un projet qui va s'intéresser finalement à la pollution de nos océans par les bassins versants, donc par la côte, par notre territoire, par notre activité. Finalement, on va s'intéresser dans les deux années qui viennent aux côtes européennes, à s'intéresser à la pollution de ces côtes européennes. La pollution par les pesticides, par les médicaments, pour avoir un peu quel est l'impact de ces choses-là sur la biodiversité, qu'on connaît bien maintenant avec l'équipe engagée avec Tara depuis des années. Et puis en parallèle de ça, on développe une nouvelle plateforme, un nouveau bateau qui va être construit, qui va commencer à être construit à partir du mois de janvier prochain, qui va être dédié au pôle Nord, qui va passer, j'espère, les 10 à 20 ans qui viennent au pôle Nord pour s'intéresser à la biodiversité de cet océan arctique qui font 4 fois plus vite que d'autres endroits de la planète, est une véritable sentinelle du climat et qui voit une biodiversité unique qu'on connaît très très peu, qu'on a très peu étudié, qu'on a très peu récolté. Et on va essayer de s'intéresser à ça avec toute cette équipe pour les années qui viennent. Donc on aura bientôt 2 bateaux, une goélette qui navigue autour du monde et puis cette base polaire, la Tara Polar Station, on appelle ça, la base polaire Tara, qui va naviguer au pôle Nord pendant les 10-20 ans qui viennent, j'espère. Tu appelles ça base, mais ça sera quand même un bateau, une barge, ça ressemblera à quoi ? Ouais, ça va être un bateau qui est fait pour être dans la glace de mer. Vous savez, la glace de mer, elle dérive, elle bouge, elle frotte, et donc il faut des bateaux qui ont une forme spéciale pour... Et nous, on ne veut pas la casser, on veut vivre avec, se laisser porter par la glace. Et donc, on a fait un bateau qui a un peu la forme de Tara, sauf qu'il est ovale et qui est dédié à faire cette mission pendant les années qui viennent. On dit souvent un bateau, un programme. Bon, avec Tara, on a un peu changé les programmes de ce bateau au départ, mais là, on va vraiment faire un bateau qui sera dédié à l'Arctique et aux conditions de glace qu'on y trouve et aux conditions de froid aussi. Donc, il y a un vrai enjeu aussi. Il y a un vrai enjeu d'isolation, d'efficacité énergétique, qui sont les enjeux d'aujourd'hui, de transition climatique qu'on doit mettre en œuvre partout sur les territoires. Et de construction spécifique d'un bateau spécifique. Voilà, exactement. Y a-t-il d'autres questions ? Levez bien haut votre bras. Il y a plein de gens peut-être en haut que je ne vois pas à cause des lumières. Et si vous ne levez pas le bras très haut, je ne vois rien. Au deuxième rang. Bonjour et merci pour tout ce que vous faites pour l'océan et la planète. Je voudrais savoir... Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire au niveau de l'éducation, hormis le peu qu'il y a dans les programmes scolaires et toute la partie développée par Tara, que j'ai eu l'occasion de traiter moi en classe, et j'ai aussi d'autres casquettes, mais je trouve ça très difficile au niveau éducation. Qu'est-ce que vous suggérez, quels seraient vos besoins et, voilà. Très bien, merci beaucoup. Très bonne question. Effectivement, il n'y a pas d'entrée océan dans l'éducation nationale. On parle, c'est pas un sujet. C'est un sujet de géographie, un sujet de SVT, c'est un sujet transversal. Et finalement, c'est un sujet. Il est traité de la même façon qu'il est traité à l'ONU. L'ONU est traité dans 18 agences de l'ONU. Et finalement, dans l'éducation nationale, l'océan est traité un peu partout, mais jamais vraiment comme un sujet majeur de compréhension et d'action, en fait. Donc, je ne sais pas comment on pourrait faire monter ce sujet. C'est une discussion que j'ai eue beaucoup avec le dernier ministre de l'Éducation nationale. Il faut arriver à trouver un moyen de davantage parler de cet enjeu global, qui est un enjeu planétaire que tout le monde peut appréhender. Après, moi, j'ai vécu dans mon enfance des classes de mer et j'avais gardé un souvenir incroyable sur des classes de mer qu'on faisait. J'ai grandi, moi, vous savez, à cette époque-là, j'habitais en Haute-Savoie. Donc aller voir la mer, je la connaissais bien avec mon père, bien sûr, qui faisait beaucoup de bateaux, mais pour beaucoup de mes camarades, c'était vraiment un voyage incroyable, initiatif. Je pense qu'il faut absolument trouver le moyen de remettre les classes de mer dans l'éducation nationale et à travers la France et dans toutes les outre-mer françaises. Y a-t-il d'autres questions ? Par exemple, on ne peut pas faire l'économie de l'expérience, en fait. Il faut voir les choses pour agir. Il faut toucher du doigt la pollution des océans. On ne peut pas faire l'économie de ça pour agir. On entend passer un avion fantôme. Là, ça doit être au-dessus de ta tête, non ?
Vous m'entendez ou pas? Oui. C'est très drôle. Qui a une autre question? Oui, un avion. Un avion. Mathieu, une question pour la Fondation Tara? Vous parliez justement du temps long de la recherche. Comment vous arrivez à concilier, là, j'imagine, l'excitation, l'envie d'avoir vos résultats avec la mise en œuvre de nouveaux projets? C'est une très bonne question. Ça a été très difficile au début quand on a commencé, en fait. Quand on a commencé, on a dit à nos partenaires privés, on va, et aussi à beaucoup de partenaires, on va faire de la recherche et puis il y aura des résultats, puis les résultats ne venaient pas. Ils mettent longtemps à venir. La mission dure 3-4 ans. Il y a 2-3 ans d'analyse. Ça fait que ça fait un cycle au début. Entre le moment où on parle, on lance un projet et les résultats sortent, il se passe 5 ou 6 ans. Donc c'est très très long. Ça a été difficile au début. Ça a été rendu possible par le fait qu'on était financé en grande partie par Agnès B., une philanthrope privée qui n'attendait pas le court terme. Et son fils Étienne Bourgois, qui sont les deux fondateurs de ce projet. Mais maintenant que l'émission est passée publique, en fait, eh ben, ça apporte des résultats en même temps que le bateau est en mer. Bientôt, on aura des résultats sur le récif corallien sur lequel on a travaillé avec Serge Plane, je crois qu'il a parlé aussi, qui est venu intervenir à Grand Océan. On va publier ça dans les mois qui viennent. Le plastique sera dans les mois qui viennent. Donc, en fait, la pompe est amorcée maintenant et les résultats sortent et il faut arriver à les raconter. C'est ça qui est le plus difficile, c'est comment on arrive à transformer cette recherche fondamentale, ces papiers, ces découvertes, en quelque chose d'intelligible, de compréhensible par le grand public, par tout le monde, en fait. Et ça, c'est la difficulté majeure, c'est le challenge majeur qu'on a, le défi majeur qu'on a à relever. Effectivement, je rappelle que hier, il y a eu, en début de Grand Océan, la déclaration de Grand Océan, et on disait qu'il fallait qu'on soit individuellement et collectivement responsable d'une amélioration de la santé de l'océan. Et la question de l'éducation, qui a été posée par Madame juste avant, était évidemment évoquée comme quelque chose d'absolument fondamental. Passer l'information. Je dois dire qu'avec Science et Avenir et la recherche, c'est ce que nous essayons de faire aussi. Et à travers cette occasion extraordinaire, avec notre partenaire Les Échos, Le Parisien, on espère faire progresser à la fois une connaissance et peut-être, chacun le prend à sa mesure, un engagement. Mais toi, avec Tara, c'est un engagement quand même, hein. C'est un vrai engagement. Et ça n'a pas forcément été compris au tout début. Ça peut être vu comme une compétition, n'est-ce pas? Non, ben oui, ça peut être, effectivement, on peut pas, je comprends qu'au début, le monde académique a été sceptique sur ce que voulait faire une styliste de mode avec un bateau qu'elle avait racheté autour du monde avec un bateau. C'était compliqué de prouver, de montrer que notre intention était vraiment louable, était fondamentalement profonde et engagée. Et ça a pris du temps, ça a pris 5 ou 6 ans, peut-être même 10 ans. À expliquer. Mais maintenant, je crois qu'on est dans le paysage aujourd'hui, en tout cas en France, de la recherche océanographique et même dans le monde. Hein, on a aujourd'hui les données Tara, les Tara Data, tout ce qu'on a généré est open source et publié dans les bases de données accessibles par tout le monde, dans toute la planète, y compris la Chine, y compris l'Amérique, etc. Et toutes ces données sont utilisées par tout le monde. Et donc, c'est formidable. C'est ça qu'il faut faire. C'est arriver à dépasser un peu les... C'est ce qui se passe un peu dans l'économie avec les startups qui viennent un peu bousculer des grands groupes. Et finalement, ce qu'a développé cette équipe Tara, quand je dis équipe, c'est les scientifiques et les équipes de notre fondation, c'est d'arriver d'avoir fait autrement, en fait, d'avoir trouvé une autre voie, une autre façon de regarder la mer. Et en même temps que la technologie est arrivée, en même temps que la technologie de l'ADN a émergé, tout ça s'est passé en même temps et ça a fait que le succès de cette épopée, et qui va durer longtemps, j'espère. En tout cas, moi, j'ai 46 ans et je n'ai pas l'intention de m'arrêter tout de suite. Merci beaucoup, Romain, et d'avoir pris le temps d'être avec nous cette petite demi-heure. Bravo, merci. Oui. Bravo à tous, bravo. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, Dominique Lelgu. Encore un applaudissement pour elle. On reviendra tout à l'heure.
Exactement. Et la Fondation Tara, vous pouvez les suivre sur leur compte Instagram. N'hésitez pas, je suis allée jeter un coup d'œil pour suivre les aventures de Romain et toute son équipe. Hein, Romain ? À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Encore applaudissements à Romain Troublet, s'il vous plaît. Bravo. Au revoir.